Donc, on a bien fait remonter la problématique du CHU en disant qu'aujourd'hui, on a un personnel qui est stressé, on a un personnel qui travaille dans les mauvaises conditions et on a besoin, comme a dit tous nos collègues présents, on ne demande pas la charité, on ne demande pas un chèque, mais on demande à ce qu'ils travaillent dans les meilleures conditions qu'ils soient. Ce qu'on répète depuis des jours et des jours. Aujourd'hui, la ministre de la solidarité et handicap. Nous a écoutés. Elle va relayer l'information en sortant de notre réunion. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Voilà. Voilà le message qu'on a passé. Nous maintenons, nous sommes toujours déterminés. Voilà le message. Tant qu'on n'a pas de réponse. Voilà le message qu'on a passé. On n'a rien eu. Voilà. Juste non, attendez. Elle est juste à relayer le ministre. Voilà, elle a relayé l'information et on attend la réponse du ministère. Donc on verra ce qu'on va faire. Mais toujours est-il que demain, on garde notre mouvement.